C'est le fait d'arriver forcément sur l'île de la Réunion. Je me suis retrouvé avec une biodiversité qui était complètement différente de la Normandie, d'où je viens. Et je me suis dit que c'était plutôt pas mal de balayer toutes les espèces si particulières du coin. Et donc j'ai voulu essayer de faire un petit cocktail de biodiversité de l'océan Indien. Je trouvais ça intéressant d'avoir de nouvelles couleurs, de nouvelles choses à exploiter. J'ai essayé de balayer les espèces de l'île. Il y a le dodo aussi, donc, qui est de l'île Maurice, l'île d'à côté, et les margouillas. C'est un petit peu de remettre sur l'avant la biodiversité, la beauté en fait, de la nature, et de retranscrire comme ça dans une galerie. Peut-être que les gens vont se retrouver un peu plus sensibles à cette beauté qui est parfois un peu cachée, parce que c'est des bestioles qu'on n'est pas forcément amené à toujours voir, et là de les voir de près, de les observer, de voir toute leur forme, leur diversité, c'est. Peut-être que ça peut éveiller un peu les consciences et se rendre compte qu'il faut protéger ces bestioles. Voilà, j'ai commencé au début du confinement, donc c'est quelques mois, j'ai mis à peu près 5-6 mois à préparer. J'ai profité de ce confinement pour justement retrouver ma table à dessin et essayer de dessiner de manière assidue. Donc moi, au final, le confinement, j'en ai bien profité. Et puis là, je suis content de pouvoir sortir et de pouvoir montrer à tout le monde. C'est les choses que j'ai produites pendant cette période. Le vernissage, on a dû s'adapter, donc on n'a que des groupes de 10 qui viennent les uns après les autres. Bon, d'un côté, ça fait que j'ai un petit peu plus de contact avec les gens parce que je prends plus le temps. Mais bon, c'est vrai que ça manque un petit peu d'un vernissage convivial avec plein de gens. Mais voilà, bon, moi, c'est vrai que la période du coronavirus, au final, bon, comme c'est un travail un peu solitaire, bah, ça ne m'a pas forcément impacté. Et c'est vrai que sur cette période, bon, bah, les galeries étaient fermées, donc j'avais que du temps pour ma création. Je suis resté 3 semaines en résidence, j'ai pu bien m'imprégner de l'île et je suis obligé de repartir pour en préparer une autre au Havre, chez moi.